Oh mon Dieu, je n'ai jamais imaginé qu'une peau de mandarine ferait tout ceci pour moi. Coucou mes amours, j'espère que vous allez bien. Et si ça ne va pas, ça va aller. Bienvenue sur votre canal de santé et du bien-être au 100% naturel. Si vous aimez prendre soin de votre santé avec les meilleurs remèdes naturels faits maison, allez juste devant le bouton s'abonner, vous cliquez sur le bouton rejoindre. Ensuite, vous aurez trois forfaits. Vous choisissez ce qui vous convient le mieux en fonction des avantages qui vont avec. Ça vous donnera la possibilité de bénéficier de tous les avantages réservés uniquement aux membres. Donc mes amours, sans plus tarder, let's go. Parle-moi un peu de ta vie. Es-tu trouvé une chérie? Ça tombe bien que tu m'en parles, car j'entame une petite histoire. Chicao. La mandarine est un fruit doux, aromatique et plein de propriétés médicinales. Mais malheureusement, par manque de connaissances, tout le monde ne sait pas qu'ils peuvent profiter à la fois de la pulpe et de la peau. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais vous montrer quelques utilisations alternatives que vous pouvez faire avec la pelure de mandarine. La délicieuse odeur de zeste de mandarine a un effet calmant qui élève notre humeur. Le zeste de mandarine peut résoudre de nombreux autres problèmes de santé ci-dessous. Je vais vous montrer quelques secrets pour différentes situations. À la fin, je vais vous dire à quoi ça sert de placer le zeste de mandarine à côté de votre lit. Je vous assure que vous allez adorer ce truc. Pour les champignons sur vos ongles, la seule chose que vous devez faire est de bien frotter la peau de mandarine sur les ongles affectés par les champignons, au moins deux fois par jour. Que ce soit sur vos orteils. Faites-le quotidiennement et en peu de temps, vous remarquerez d'excellents résultats. Pour la toux sèche, mettez 2 cuillères à soupe de zeste de mandarine séché et réduit en poudre dans un verre d'eau. Puis, laissez reposer une semaine dans un endroit frais et sombre. Après ce temps, consommez 20 gouttes diluées dans de l'eau. Pour les problèmes de bronchite, faites bouillir un verre d'eau et ajoutez 2 cuillères à café de zeste de mandarine, puis laissez reposer pendant 1 heure. Et consommez 1 demi-verre de la boisson 3 fois par jour. Pour les problèmes digestifs, mettez la peau de mandarine à sécher au soleil. Une fois qu'elle est sèche, mettez-la dans un mélangeur, puis formez une poudre. Ensuite, vous ajoutez cette poudre à vos aliments. Ou faites-en un thé pour boire. Pendant chaque repas, ce sera très bon pour la digestion. Pour les problèmes d'insomnie, vous allez adorer cette astuce. Si vous avez du mal à dormir, il suffit de mettre plusieurs morceaux de zeste de mandarine dans un sac ou vous envelopper dans du papier et de le laisser à côté de votre lit afin que vous puissiez respirer et sentir son arôme pendant 15 minutes. Cette technique permet même de soulager les maux de tête. Alors mes amours, c'était tout pour cette vidéo. Si vous l'avez aimé, likez la vidéo, commentez-la et surtout, partagez-la au maximum sur vos réseaux sociaux favoris car elle pourra aider bien d'autres. D'ici là, prenez soin de vous mes amours. N'oubliez pas que sur cette chaîne YouTube au cœur du bien-être, nous partageons minimum 2 vidéos chaque jour. Donc abonnez-vous et surtout, rassurez-vous d'avoir activé toutes vos notifications pour ne manquer aucun de nos rendez-vous. On va se dire à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous, bisous. Bye bye.